te dire merci. Notre action de grâce et notre reconnaissance. Nous parlons du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Élisabeth, du Dieu de Zacharie. Nous sommes réunis en son nom ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons à tes pieds aujourd'hui humblement te dire merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour ton amour et ta fidélité qui sont manifestes dans nos vies. En ce jour, nous fêtons la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, nous le savons, qui est le précurseur de notre Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste qui est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Saint Jean-Baptiste surtout qui est le fruit de la fidélité de Dieu dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie. Nous savons tous, Élisabeth était une femme stérile. Mais l'ange pouvait dire à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Voilà que ta cousine Élisabeth est enceinte, car rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui rend toutes choses possibles, le Dieu qui mérite notre action de grâce. Alors comme Zacharie pouvait le faire à travers son cantique, nous allons dire également merci au Seigneur. À travers ce cantique, nous allons lui rendre grâce. À l'image de Zacharie et d'Élisabeth pour toutes les grâces que nous avons reçues. Parce que oui, bien-aimé, si tu es debout ce matin, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si tu arrives à te lever, si tu arrives à bouger, à aller au travail, c'est la grâce de Dieu. Alors Seigneur, nous venons te dire merci. Humblement te dire merci. Je viens humblement.
existe, nous nous souvenons d'une vertu qu'il a ou qu'il avait, celle de l'humilité. Car c'est lui qui pouvait dire, il faut que je diminue afin que lui, il croisse. C'est lui qui pouvait dire, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Quelle humilité! Alors Seigneur, nous te demandons également cette grâce de l'humilité, afin de venir encore humblement devant toi pour te dire merci. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Et tout ce que nous sommes vient de toi. Tout ce que nous pouvons vient de toi, Seigneur. Alors nous venons humblement te dire merci. Je viens stérile. Toi qui n'arrives pas à avoir un enfant, dis merci au Seigneur pour cette grâce. Dis merci au Seigneur pour la grâce de l'enfantement. Car nous croyons qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. L'action de grâce qui appelle la grâce. Et comme Élisabeth, le Seigneur se manifestera dans ta vie. Il t'accordera cette grâce que tu désires tant. Toi qui n'arrives pas à enfanter, crie à ton Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, mais je viens humblement à tes pieds te dire déjà merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce de l'enfantement, Seigneur. Je viens humblement parce que toi, tu as dit que rien ne t'est impossible. Oui, rien ne t'est impossible. Alors je viens humblement te dire merci. Pour mon enfant, te dire merci. Nous venons humblement te dire merci. Merci humblement, humblement te dire merci. Nous voulons encore, Seigneur, te dire merci pour toutes les grâces que tu nous donnes. Les grâces que tu nous donneras, les grâces que tu nous as déjà données, mais que nous n'arrivons pas à voir. Merci infiniment, Seigneur, car tu es le Dieu capable, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait toutes bonnes choses. Que ton nom soit à jamais béni, que ton nom règne à jamais sur toutes choses dans l'univers. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée à toi, bien-aimé, et je t'exhorte à rester dans cette attitude d'action de grâce et de reconnaissance
envers notre Seigneur. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, nous avons prié. Amen.